de la Macarena, c'est avec Souffle Gym pour tous. Les figures acrobatiques avec le cheerleading. Vous l'avez compris, à Souffle, les associations font leur entrée. Et c'est l'heure des choix pour les familles. Les enfants sont inscrits aux activités, basket, tennis, volley. Donc ouais, c'est super de voir toute la vie dans cette ville. Enfin, vraiment un bon moment. Ouais. Moi, c'est le tennis de table et le tir. Pour ma sœur, on a pris la danse et l'escrime et le volley. Et après, on a aussi pris toute l'école de musique. Dans le village, un habitant sur trois est membre d'une association. Alors au stand, on fait la queue. Au bout de cette file d'attente, le Modern Jazz. Annabelle est la nouvelle professeure. Elle succède à Mauricette Juan, prof emblématique de la pratique, partie à la retraite. J'ai plein d'idées, j'ai plein de rêves aussi pour mes élèves en fait. Et plein de. J'ai envie d'un peu chambouler les spectacles de ce qui s'est passé. Voilà. Apportez votre touche. C'est ça. En démonstration également, le judo. Cette saison, le club fusionne avec celui de Reichstätt. Les enfants auront deux nouveaux coachs, hein, puisqu'on a dû trouver des nouveaux coachs pour Souffle-Weyersheim. Et on va proposer un nouveau cours qui est le cross-training pour les adultes. Qui est plébiscité à Reichstätt. Des nouveautés, il y en a régulièrement. L'université populaire propose désormais un cours d'espagnol, cocktail fitness, du yoga. Il y a aussi des succès. Le volley compte deux équipes championnes du Bas-Rhin. Le cheerleading a rajouté aussi un titre hexagonal à son palmarès. Sur votre agenda, n'oubliez pas la Souffle à cœur, la première course pédestre organisée par la commune le 15 septembre. Voilà, merci, c'est confirmé. Alors on est à peu près à 70 participants pour la course et 70 participants pour la marche également. Inscrivez-vous, il y a encore de la place. Et pour tout savoir, il y a le guide des associations. Bonne rentrée.